Petit retour à Lozère aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec Corinne du gîte communal, des gîtes et des gens, c'est maintenant. It's so easy to see that you're in love with me. Carve your name next to mine on that big oak tree. It's how you want it to be. You bring me things from the store and put it at my front door. I've lost count of the times this have happened before. Not that I'm keeping score. 'Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we toe the line. That's fine. Sunday breakfast in bed, strawberry jam on some bread. And if you feel like doing anything today, then go ahead. I just lay here instead. 'Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we toe the line. That's fine. There too, we just pick up where we left off, then we toe the line. 'Cause I do the same for you, just like I'm supposed to do. I'm yours, you're mine. If you ever feeling blue, rest assured I've been there too. We just pick up where we left off, then we toe the line. That's fine. C'est un changement de vie radical qui a eu lieu en 2015. J'ai fait le chemin en 2013. J'avais perdu mon boulot, donc j'étais licenciée économique pour la troisième fois dans ma vie. Mes 5 enfants que j'ai élevés seuls avaient quitté le foyer. J'étais seule aussi dans ma vie sentimentale, un peu plus de 50 ans. Bon, on va dire à la croisée des chemins, j'étais un peu, comment dirais-je, fatiguée. Voilà, un peu lasse, hein. Pas beaucoup d'énergie, l'impression que l'essentiel de ma vie était derrière moi. Et j'étais un petit peu en roue libre dans une vie peut-être qui ne me ressemblait plus trop. Et là, j'ai envie de dire avec ce plus rien, plus les enfants, plus le boulot, plus d'hommes, plus rien. Eh bien, un besoin irrépressible de partir sur le chemin de Saint-Jacques. C'était vraiment une façon pour moi d'aller à la rencontre certainement de moi-même. Voilà. J'avais envie de prendre ce temps pour moi, en fait, et voir ce que ça allait donner. Et vivre, c'était ça, réellement, pour la première fois, ne plus être la mère, ne plus être la sœur, ne plus être la collègue, ne plus être la voisine. Ne plus être la femme, être juste Corinne. Et donc, me voilà sur le chemin. Je l'ai fait d'Orthez à Finistère. Orthez, c'était mon lieu d'habitation. Donc, je suis partie avec la clé dans ma poche. Et puis, il s'est passé plein de choses. Hein. C'est comme il arrive pour
C'est une histoire banale, finalement. Le chemin m'a labouré de l'intérieur, hein. Et j'ai compris, enfin voilà, que je ne voulais plus vivre, qu'un pan de ma vie était derrière moi. Et que les choix que j'avais faits à un moment de ma vie et qui me correspondaient bien ne ressemblaient plus à la femme que j'étais devenue. Mais en dehors d'avoir dit ça et d'avoir énoncé quelques grands principes, qui étaient « je veux être indépendante dans mon boulot », « je veux que ce travail ou cette activité fasse vraiment sens, un sens humain fort », je veux m'engager physiquement. Quand on a marché pendant des mois et des semaines, je ne pouvais plus imaginer quelque chose de statique. Et puis, c'était déjà pas mal, ouais. C'est à peu près les grosses choses. Sans savoir du tout ce que j'allais faire. Ça, c'était un peu la boussole, mais je ne savais pas du tout quoi faire. Et donc, j'ai quitté Orthez finalement. J'ai laissé mes affaires à droite, à gauche. Et je suis partie faire un an de bénévolat dans le monde et d'expérience. Notamment, je ne parlais pas anglais, donc je suis partie en Angleterre. J'ai fait aussi de l'alphabétisation à Mayotte, du woofing, enfin pas mal de petites choses. Et c'est là où, à un moment, j'ai eu une expérience d'accueil. J'ai accueilli une dame qui faisait un burn-out et qui venait faire une retraite de silence. Je me suis dit, mais si j'avais pu être accueillie quand moi-même je n'allais pas très bien dans ma vie, ça aurait été juste merveilleux. Et là, il y a eu un flash, je me suis dit, mais c'est bien sûr, hein, il faut que j'accueille sur le chemin, ce chemin qui m'a tellement donné. Et c'était vraiment aussi le besoin de rendre. Je me considérais comme bénie des dieux, même si je n'y mets pas de connotation religieuse, mais tellement de chance de pouvoir marcher, d'avoir ce temps-là, de vivre tout ce que j'ai vécu, de ressentir un élan vital. Quand je suis revenue, j'avais 18 ans. Hein. Alors j'avais reconnecté avec Corinne, en fait. Et j'avais laissé cette vieille peau, cette ancienne peau, j'avais fait peau neuve. Voilà. Et c'est comme ça que, ça c'était 2014, mon année de bénévolat, et je cherche ensuite un gîte pour m'installer. Et je cherchais un gîte où je n'ai pas d'investissement financier à faire, hein, parce que je n'avais pas d'argent. Mes 5 enfants ont fait des études supérieures, donc je n'avais pas grand-chose. Et donc la solution c'était d'être en gérance. Donc j'ai fait beaucoup de recherches, et à Lozère, il y a eu une opportunité. Pour des raisons administratives, je crois que ce gîte changeait de main. Il était un petit peu vieux. La mairie a fait pas mal de travaux sur la première année pour le remettre dans un état acceptable, en tous les cas pour le public. Et voilà. Et moi, j'ai pu l'exploiter et je me suis finalement installée en auto-entreprise. Donc là, maintenant, c'est la 7e saison. Pour mon plus grand bonheur, et je continue à avoir 18 ans. Ça n'a pas arrêté. Voilà, c'est vraiment... Et je crois que je me dis, maintenant, je suis peut-être une inadaptée de la vie, entre guillemets, ordinaire. Je vis sur le chemin, je pars le chemin, je travaille chemin, et c'est vrai que ces pèlerins, ils partent vers l'essentiel, ils ont un peu de temps, ils déconnectent avec les réseaux sociaux, avec les mails, et puis, en dehors de cette société qui va très vite, le pas aussi, le pas de la marche, hein, fait que c'est un pas d'homme, et on est connecté à la terre, et on est connecté aux autres. Donc là, il y a vraiment quelque chose de fort qui se passe, que j'ai expérimenté, que j'ai vécu, mais que tous les pèlerins, quand ils viennent, moi je dis toujours, ils me disent tu n'es pas frustrée là de ne pas pouvoir marcher? Mais je dis, vous me faites marcher. Parce qu'on rencontre telle personnalité, tous les pays, hors Covid, là, ça fait 2 ans quand même, on est plutôt franco-français. Et plus limité, mais voilà, donc c'est extrêmement ouvert, et puis des histoires, des histoires d'humanité, c'est merveilleux. C'est un peu comme le chemin qui m'a apporté beaucoup plus que ce que j'avais imaginé. Finalement, cette expérience d'hébergeur m'apporte également beaucoup plus.
J'ai vraiment l'impression de me dilater en fait. J'ai ma petite personne, voilà, avec son petit contour. Et puis chaque rencontre m'ouvre un petit peu plus à autre chose. Et on peut être extrêmement surpris. Il y a des personnes qui forcent le respect et peut-être aller voir comme ça, on ne l'aurait pas pensé. Voilà. J'essaye d'être sans a priori, mais souvent, en fait, je me rends compte, eh ben, peut-être qu'il m'en reste encore, hein, puisque je peux être encore surprise, désarçonnée, et tant mieux que je puisse garder cette fraîcheur. Hein. Bah, l'accueil, pour moi, c'est une des valeurs, c'est le fondement, certainement, de notre activité d'hébergeur. Et qu'est-ce que m'apporte l'accueil ? L'accueil, c'est quelque chose de, pour moi en tout cas, de très humble, de tout petit. Un peu comme la mère de famille, on ne voit pas qu'elle fait le ménage, on ne voit pas qu'elle fait les courses, on ne voit pas qu'elle fait à manger. Tout ça semble bien naturel, on ne voit pas qu'elle s'est occupée du linge ou qu'elle s'occupe des bobos, voilà. Ce que j'aime beaucoup, et ce que ça m'apporte, c'est être dans des choses finalement extrêmement simples, profondément humaines. L'écoute, la disponibilité, la solidarité. Donc ce sont des toutes petites choses, mais à mon sens, on est au cœur de ce dont nous avons besoin, tous. Cette connexion entre nous. Et puis, pour les pèlerins, une forme de soutien. Alors, il y en a qui n'en ont absolument pas besoin, mais il suffit qu'on soit fatigué, par exemple. Eh bien, si on a passé une bonne étape, le lendemain, la fatigue, normalement, elle est partie. On arrive affamé, on arrive assoiffé. Là, il y a des pèlerines qui attendent et qui m'ont dit « Est-ce qu'on va pouvoir faire une machine ?» Je vais m'occuper de faire la machine, je vais m'occuper de faire le sèche-linge. Pour elles, c'est génial, elles arrivent tout crottées d'aujourd'hui. C'est des petites choses. C'est un étranger ou même un Français à qui on va faire une réservation parce qu'il ne sait pas chez qui aller. C'est un blessé. Voilà. J'ai Véronique qui est une masseuse professionnelle en shiatsu et qui intervient en donativo ici au gîte. Donc, ça permet aux pèlerins justement et pour toutes les bourses, soit parce qu'ils sont blessés, soit parce qu'ils sont fatigués, soit parce qu'ils ont envie de se payer un moment de bien-être, de reconnexion à eux-mêmes, de se faire masser. Donc c'est vraiment dans tout ça, c'est vraiment dans le même esprit. Alors moi, ce que ça m'apporte, c'est dans ces petites choses, me sentir complètement humaine. J'étais maman, comme je l'ai dit, je suis maman de 5 enfants, donc je crois que c'est quelque chose que j'aime faire, prendre soin des autres. Et les Allemands m'appellent Mama Git. Voilà, parce qu'apparemment, et souvent, si on regarde le livre d'or, on parle de que je suis maternante. Avant le Covid, je faisais même le tour des chambres et je disais au revoir aux pèlerins dans leur chambre. Pour certains, c'était presque, ils disaient, mais moi, je crois que c'est maman qui m'a fait ça. Et au niveau de la nourriture, je suis un peu régressive. Il y a les yaourts faits maison comme on faisait avant, mais il y a la crème au chocolat, mais vraiment de la maman ou de la grand-mère. Il y a quelques jours, quelqu'un qui disait « Oh là là, mais ça c'est des crèmes au chocolat que ma grand-mère me faisait pendant les grandes vacances. » Donc pour moi, ça va aussi complètement dans le chemin, c'est-à-dire de se débarrasser de tout l'habit social pour reconnecter avec qui on est. Et on est d'abord, avant d'être des enfants adaptés, on est des enfants libres. Et ça, c'est voilà. Alors ça, c'est ce que j'aime apporter et ce que je reçois. Eh bien, c'est tout le monde qu'ils apportent, leur monde, toutes leurs expériences, leurs ressentis, et je ne fais que m'enrichir en fait à leur contact. Alors, ça me permet juste de dire un mot par rapport à l'abbé Pierre. C'est une histoire juste merveilleuse. Quand j'ai voulu meubler le gîte, j'étais dans un magasin, donc un dépôt vente, et ce tableau était en dépôt vente. Or, je venais pour acheter des choses pour la salle à manger, du mobilier pour la salle à manger. Et donc, je vois ce tableau, je reconnais l'abbé Pierre. Hein, ce tableau est fait de telle sorte que le regard de l'abbé Pierre, hein, nous suit où que l'on soit dans la salle à manger.
puis c'est quelqu'un qui nous est familier et j'aimais beaucoup évidemment les valeurs qui étaient véhiculées. Donc j'ai dit, bah, très bien, tu veux venir au gîte, eh ben, je te prends. Et je l'ai apporté donc ici. Ne sachant absolument pas, et ce sont des personnes d'église qui m'ont appris ça plus tard, que Emmaüs était le symbole de l'accueil, ça ne pouvait pas mieux tomber, de l'hospitalité, et qu'il y a le pèlerin d'Emmaüs. Donc c'est fou, je veux dire, la première chose, le premier achat que j'ai fait ici pour le gîte faisait écho à toutes ces synchronicités que moi-même j'ai vécues sur le chemin et que me rapportent également les pèlerins. Qu'est-ce que ça m'apporte finalement d'être hébergeuse? Ça m'apporte d'être dans le miracle de la vie, d'avoir le temps de le voir et d'avoir la joie de l'apprécier. Parce que j'ai ralenti et parce que je me suis connectée aux autres. Voilà. Mais bon, je le dis et en même temps, quand je parle comme ça, ça fait un peu pompeux et c'est tellement simple. C'est vraiment très des petites choses toutes simples. Mais quand on est dedans, on a tout. On a le roi du pétrole, la reine du chemin, entre guillemets. Voilà. Ah ben là, c'est le bac philo, hein. Le bonheur est-il obligatoire? Le bonheur est-il obligatoire? Déjà, je n'aime pas la façon dont c'est tourné. Est-il obligatoire? C'est pour moi de l'ordre de l'injonction. Et le bonheur, c'est très très personnel. C'est sa perception du monde et de ce qui nous arrive. Là, les pèlerins nous l'enseignent d'ailleurs. On a des personnes qui ont des grands malheurs, qui vivent des choses très très difficiles, ou qui ont des gros problèmes financiers ou des gros problèmes de santé et qui sont très très heureux. Et puis on a des personnes, ça c'est un lieu commun de le dire, mais qui auraient entre guillemets tout de ce que la société moderne en tous les cas parle tout et qui ne sont pas forcément heureux. Après, dire le bonheur est-il obligatoire? Moi j'ai juste envie de dire, bon voilà, c'est très personnel, il me semble, c'est ma position, voilà, c'est vraiment très, c'est ma position. Que quand on est né en France, hein, dans un pays où une femme a le droit de s'adresser à un homme, là, par exemple, où j'ai pu faire des études, où j'ai pu me faire soigner, où il n'y a pas de guerre, hein, où nous sommes soutenus financièrement, où il y a des services sociaux, où, enfin bon, je pense qu'on fait partie des quelques-uns dans le monde. Il n'y a pas de traite d'enfants en tous les cas déclarés, bon, pas de famine. On fait partie des quelques-uns qui avons énormément de chance. Et donc pour moi, c'est pas que le bonheur est obligatoire, mais par contre la gratitude vis-à-vis de la vie. Moi, je m'en fais un devoir. Voilà, c'est plutôt ça. Et si on est en gratitude, si on remercie la vie et ce qui nous arrive, eh bien, on est forcément heureux, parce qu'on est forcément heureux de tout ce qu'on a. Et le reste, pour moi, ce sont des passages, des épreuves, des pour apprendre. De toute façon, si je souffre à quelque chose, c'est que j'ai à apprendre de ça. Donc je peux aussi remercier pour ça. Et donc j'ai envie de dire, c'est pas que le bonheur est obligatoire, c'est que le bonheur, en ce qui me concerne, en tous les cas, coule de source.
En même temps, quand je parle comme ça, on dirait que j'ai jamais été triste. Or, j'ai énormément souffert, j'ai énormément pleuré et je suis en même temps très vulnérable. Donc, il y a la position, disons, de cœur, hein, de gratitude vis-à-vis de la vie. Et puis après, bah, je suis une petite humaine et puis je fais le mieux possible avec ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai vraiment répondu à « le bonheur est-il obligatoire ?» Non, de toute façon, il n'y a rien d'obligé dans la vie. Déjà, on est... Alors là, pour moi, hein, c'est le libre arbitre. À partir du moment où on ne fait pas de mal aux autres et qu'on se respecte soi-même, eh bien, chacun mène la vie qu'il a envie de mener. Et c'est ça aussi qui est extrêmement riche, c'est de voir que autant nous sommes des... presque des galaxies nous-mêmes, des personnes extrêmement particulières les unes des autres. Mais qu'en même temps, on a cette humanité entre nous, on est de la même terre, hein, du même sel. Et ça, c'est assez géant, c'est ce qu'on découvre en marchant et c'est ce qu'on continue à expérimenter en étant hébergeur. Donc non, le bonheur n'est pas obligatoire. Et puis celui qui est malheureux, eh ben, il est malheureux. Et puis il a le droit aussi d'être malheureux. Voilà. En tous les cas, pour moi, le bonheur, hein, à partir du moment où je suis vivante, hein, où j'ai la grâce d'être vivante. Et là, je suis vivante, hein, je peux vous parler, je vais accueillir les pèlerins. Comment ça pourrait être autrement que du bonheur? Écoute, Yann, j'avais juste envie de rajouter un petit quelque chose et de te dire quelque chose. C'est en fait une invitation à tous ceux qui seraient encore hésitants pour partir sur le chemin, de leur dire, allez-y, a priori, je ne pense pas que vous le regretterez. Au pire, vous reprendrez un train, il n'y a pas mort d'homme. Mais à mon avis, vous risquez d'attraper ce virus du chemin. Vous pouvez être une femme seule, ça ne pose aucun problème de marcher, vous êtes vraiment en sécurité. On peut faire des toutes petites distances, certaines personnes n'ont jamais marché ou ont des petites formes physiques. On peut faire 5 km par jour, hein, on s'en moque. Dans tous les cas de figure, ça fait du bien. Ça fait du bien au corps, hein. Ça fait du bien à la tête, hein. Ça fait du bien à l'âme. On rencontre beaucoup, évidemment, d'autres personnes extrêmement différentes les unes des autres qui nous enrichissent. Le chemin français et même le chemin espagnol, c'est juste des merveilles de paysages. On mange super bien dans l'Égypte. On rit. Enfin voilà. Donc c'est vraiment un très très bon moment. Et souvent, les uns ou les autres qui pouvaient être en difficulté au début d'un chemin, ils ont trouvé beaucoup de ressources, beaucoup de réconfort. Hein. Donc, c'est juste un petit clin d'œil pour dire venez sur ce chemin, venez marcher, venez le découvrir.